J'étais étonné de voir ce garçon te dire que Moïse a fait souffrir pour faire de lui un grand. Te dit, écoute-moi. Pour que les gens t'aiment aujourd'hui, Moïse t'a fait sortir. Moïse a bimisi. Tu étais néant. Il a pris son argent. Il a investi. Il t'a fait sortir. Si les gens t'acclament aujourd'hui, c'est grâce à cet homme-là. Les démons de l'ingratitude est en train de tuer et les musiciens profanes, et les musiciens chrétiens, et les églises, et le pasteur. Tu sors aujourd'hui, tu dis, Moïse, je me donnais 20 dollars par mois. Même si c'était vrai. Mais tu es sorti. Tu ne vois plus de 20 dollars. Maintenant, tu es quelque part dans un appartement. Parce que quelqu'un veut te faire voyager en Europe. Pour t'amener en Europe. Mais quand aujourd'hui, si tu vas en Europe, c'est grâce à qui? Grâce à cet homme-là qui t'a fait sortir. Attention, frère. Fais attention. La vie est compliquée. Les gens qui sont ingrats n'ont pas droit dans la vie. Aujourd'hui, ceux qui t'envient aujourd'hui, qui te mettent dans des appartements, qui te donnent des dollars, parce qu'ils ne t'ont pas vu hier. Pourquoi ils ne t'ont pas vu? C'est lui qui t'a vu. C'est celui qui a ta révélation. Et c'est celui-là, même s'il te maltraite, sois fidèle pour que tu grandisses encore. Un jour, tu seras indépendant. Ne te sépare pas dans cet impôt-là. Tous les gens qui sont sortis des grands orchestres du monde, ils croyaient devenir des leaders, mais ils ont échoué. On voit ses mains de Fali. On voit ses mains de Ferry. On voit ses mains de 007. Où sont tout le monde qui est sorti? Tout le monde n'est pas leader. Je m'adresse aux jeunes pasteurs, aux jeunes musiciens. Soyez reconnaissants dans vos vies. L'Éternel vous bénira. Un escalier reste un escalier. Quand tu casses l'escalier, tu seras en haut. Mais tu descendras comment? Il y a un moment, il faut descendre. L'avion peut monter, mais l'avion doit descendre. Mais s'il n'y a pas d'aéroport, tu vas descendre comment? Ceux qui te font du bien, ce sont des aéroports. Ces aéroports vous donnent le temps de monter pour que tu descendes aussi, tu fasses l'atterrissage classique. Faites attention avec la rébellion. Je m'adresse à tout le monde. L'argent n'est pas Dieu. L'argent fait partie du plaisir du monde. Ça passera. On va rentrer sans argent. Un seul habit. Chaussettes Bogo. Biloko tu es sale. C'est ce qui nous accompagne sur la terre. Ça passera. Au nom de Jésus. Ayoka. 4. La plus difficile. Arroser. Quand tu mets des graines sur la terre, s'il n'y a pas de pluie, il y a des irrigations, il faut faire. Irrigation. Batiboli babele pour mayesani. Ekita. Pour eyawapi. Nabilanga sikoloni boma. Tolobe amen. Amen. Il faut creuser des irritations. Et c'est quelle autre chose? Des choses, des couloirs. Banzela. Qui peuvent t'amener? Ekome melayo. Amener l'eau. Ekome melo mai. Pour arroser les champs. Pour être exopamai nabilanga. Ou la pluie. Tomboula. Ce sont des éléments extérieurs. C'est là où toi un jour tu auras besoin des gens. Tu auras besoin des gens capables pour t'aider. Alléluia. Amen.
Tu as besoin de gens capables. Dieu a dit à Moïse, choisis les gens capables. Capable. À côté de toi, mets les gens capables. Tu le bien amène à haute voix. Amen. De te donner le repos. Qui t'amène de l'eau. Qui t'amène des réponses. Qui t'amène des choses. Quand Moïse était fatigué, les gens là l'ont mis sur la pierre. On a pris la main, on a levé. L'autre a pris la main, il a levé. Mais on l'a placé sur la pierre. Il faut que les gens soient capables de te maintenir dans la révélation. Qui t'amène dans ta vision. Qui te laisse dans ta vision. Qui te fait s'asseoir dans la vision. Au nom de Jésus. Les gens qui te fait asseoir dans le matelas. Au lieu de la pierre. Juju, tu ne vois pas que vous êtes en train de me déranger. Hein? Juju. Des va et viens, j'aime pas ça. Juju, je suis concentré vers Dieu. Et le peuple qui me suit. Alléluia. Amen. Acclamez trois fois. Beta maboko beta maboko mabaksa na bololo. Amen. Donc, arroser, c'est l'élément meilleur. Pour faire grandir ta vision. Tu as besoin de ces gens-là. Ne mets plus à côté de toi les gens qui n'arrosent pas. Dans tes oreilles, écoute les gens qui t'arrosent. Pour pousser. Pas les négatifs. Les gens de Mirimir. Les voleurs. Les gens d'intérêt. Non. À côté de toi, tu as besoin des gens qui arrosent ton ministère, qui arrosent ton business, pour que ça grandisse. Que tu lui donnes ou pas, il est là à côté de toi. Ton seul objectif, c'était de faire réussir. Et quand tu réussiras, lui verra la réussite. Les jours où Saul, David a demandé, il n'y a personne. Oh, Saul a tourné qui était dans mon côté. De la famille de Saul. N'aïlibota Saul. Lui, il a arrosé. Il dit, je connais. Il peut fermer son cœur. Il dit, Aza. Il est à l'Odeba. Il a amené. Quand il a amené, lui aussi, il était arrosé. Tout le bien, amen. Amen. Alléluia. Il y a des choses que toi tu n'auras pas. Mais tu l'auras au travers d'eux. Amen. Alors protège les délas. Batela batoana. Ces gens-là. Batoana. Quelqu'un qui est utile pour toi. Ne l'énerve pas. Ne les vole pas. Ne les ment pas. Sois franc avec lui. Tu bénéficieras. Tu bénéficieras. Alors, à côté de toi, les gens qui arrosent. Alléluia. Amen. C'est comme ça. Que les choses vont pousser. Et après, on ne peut pas avoir la moisson sans préparation de tous ces quatre éléments. Ce qui au bon site ma bitono misato. Tiens-toi debout, élève le main. Tele malikolo, chez ma boro likolo. Tele malikolo. Tele malikolo. Alléluia, Jésus. Sanjola, Sanjola, kunaye kulusu. Kunaye akufeli batoba toma benyo o sanjola 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 kunaye kulusu kunaye akufeli Toma, toma, Benyo, oh, Sanjola, Sanjola.
Cet esprit de pauvreté que tu peux même pas acquérir un terrain. Ces blocages là qui t'a permet pas d'avoir un endroit à exercer. Où tu as l'endroit mais tu n'avances pas. Moi je crois que cet esprit tu dois le casser. Toi-même prends le temps de la prière. Commence à prier pour cet esprit qui n'avance pas. Allez au nom de Jésus. Vas-y. Deuxième esprit. Cet esprit là d'impréparation. Tout le temps tu n'es même pas préparé.